kokoso. Et le Dieu de miséricorde par ses grandes compassions. Nzambe oyo na mawana nzela bosa wana ye na nzela mawana ye. A eu pitié de nous. Ye ayokela kibiso mawa. Le mot me manque pour lui témoigner ma reconnaissance. Maroba majali kozanga ngai mpona kozongisa mpenza matondo yangai. Je dis juste merci Seigneur Jésus-Christ. Na koroba bobele matondi koro Yesu Kristo. Qui c'est vrai Dieu écoute nos prières. Ezali ya solo ete Nzambe ayokaka mabondeli na biso. Oui, c'est vrai Dieu écoute nos prières. Ezali ya solo ete Nzambe ayokaka mabondeli na biso. Qu'il vous bénisse tous richement. Apambola bino nyonso na koyikana. À notre Dieu soit toute la gloire. Na Nzambe na biso nkembo nyonso epesamela. L'honneur. Lukumu. La puissance. Nguya. Amen. Amen. Votre sœur Hélène Mataya. Nde konabino na mwasi Hélène Mataya. Je vous demande s'il vous plaît de vous mettre debout. Na kolomba bino ete boko kotelema. Et nous allons lire une portion de l'Écriture. Pe tokotanga ete ni moko ya likomi. Nous sommes en Proverbe 3. Tozwami na ba masese mokapo na misato. Du verset 5 au verset 6, 7, oui. Kobandanzela ya misato, kino na mwambe. 5. Kino na mitano, proverbe 5. Proverbe 3. Proverbe mukapo wa misato. Du verset 5. Nzela kotanga mitano. Et nous descendrons. Pe toko kita. Nous lisons la parole de Dieu. Toko tanga liloba na Nzambe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et recommande-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Oui, nous ajoutons ceci. Et toi, qui si boye? Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Banga Yahweh. Et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Nous allons prier, mes bien-aimés frères et sœurs. Premièrement, nous allons remettre le culte d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur conduise tout ce qui va se passer ici. Et qu'il soit avec le prédicateur du jour. Et qu'il soit avec chacun de nous. Qu'il nous ouvre grandement les oreilles. Pour que nous puissions écouter et comprendre les Écritures. Prions ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Tout bon de l'élongo, bande koba simpe babali.
Éternel, notre Dieu, nous te remercions ce soir pour cette grâce que tu nous fais de venir nous tenir dans ta présence sainte qui sanctifie, qui sauve. C'est toi seul qui conduis les pas de tes saints seigneurs. Et nous te prions, comme tu es présent, que tu puisses entendre la voix de quiconque t'a appelé ce soir. Et comme tu es présent, que tu puisses nous parler au travers de ta parole. Que nous puissions demeurer dans la crainte de ta parole, Père. Car ta parole nous apporte une bonne santé. Santé pour nos muscles. Santé pour notre âme. Viens et glorifie-toi au milieu de nous. Car c'est pour toi que nous sommes ici. Et nous croyons que tu nous béniras. Commence et finis avec nous. Et bénis tes enfants de partout dans le monde. Bénis notre frère Franck, ton serviteur. Bénis tous les hommes de Dieu dans les champs de mission. Et assiste ton peuple pour toutes choses. Qu'Israël soit gardé de toi. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous mettre. Bokoi kofanda. Pressez face. Page 52. Cantique 120. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus, il éclaire mon chemin. Jésus, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Oh, son sang a coulé pour moi. Oh, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. Oh, à toi Jésus attaché, oui, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui,
ma place est prête au ciel pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as racheté. Oh Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as racheté. Oui, Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Oui, Jésus, tu m'as racheté. Oh, Jésus, tu m'as racheté. Déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Na jali kope sa minombote na nkombo ya lokumu ya nkolo na biso Yesu Kristo. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Akozanga kolambela tutelema pona botangi ya lubana nzambe. Nous continuons avec notre texte d'Apocalypse 22. Tozali kokoba na molongo na biso ya emoniseli tuku mibale na mibale. À partir du verset 12, toko banda na ndela kotanga ya zomi na mibale jusqu'au verset 17. Kino na zomi na sambo. Voici, je viens bientôt. Tarani nazali koya karate. Et ma rétribution est avec moi. Beri bonza na ngai zali longo na ngai. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Wana kope se pa na moko yenge beni mosala na ye. Je suis l'alpha et l'oméga. Najali alifa mpe omega. Le premier et le dernier. Ona yambo mpe ya suka. Le commencement et la fin. Ebandeli mpe suka. Heureux ceux qui lavent les robes. Et pas moi, et bazaliko sokola molato na bango. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Antira kozo epusa na nzete na bombo yimpe ko ingela kati na bikuke na ngumba yango. Dehors les chiens. Libanda bambwa. Les magiciens, batona soloka, les débauchés, batona pite, les meurtriers, babomi, les idolâtres, et basambele na bikeko, et quiconque aime et pratique les mensonges. Pe yo nani akolinga mpe kosalela nkuta. Moi je dis, ngai Yesu, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Natinda ke moi je nangai mpe tata lisabino biloko bi kat na mangomba. Je suis le rejeton et la postérité de David. Na jali musisa yango ya libota na Dawidi. L'étoile brillante du matin. Mondoto mokongenga na ntongo. Et au verset 20. Père nandela kotanga tuko mibale. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Oh ya kondi misabiloko bi yazali koloba iyo nazali koya karate. Et à l'église de répondre. Père na lingomba na koyanola. Amen, viens Seigneur Jésus. Et jala bongo ya kankolo Yesu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Yega ete ngolo na nkolo Yesu Christ ezala na banso. Inclinons nos têtes et je vais prier. O ngumba mitumpe na kobondela. Dieu bienveillant Père céleste. O ya malamu tata na lola. Nous voici en ta présence. Tarani biso yeyo na ilongi na yo. Et souvent nous commençons par baisser nos têtes. Et pe tango nyonso tokobandaka na ngumba mitu na biso. Nous reconnaissons indignes devant toi. Tozali komiye ba ete tobongite liboso na yo. Et sans mérite.
C'est pour cette raison, si nous osons te parler, ce n'est que pour réclamer une seule chose, ta miséricorde. Mawana yo. Dans ta grande miséricorde, aie pitié de chacun de nous. Atina mawana yo monene yo kama waya moko na moko na biso. Pardonne toutes nos iniquités. Bam. Limbisa bokeseni na biso nyonso. Et jette tous nos péchés loin de ta face dans la mer de l'oubli. Nous voici en ta présence, Seigneur. Et le but de notre venir, c'est pour que nous puissions écouter tes paroles. Que l'homme soit écarté du chemin. Et que toi-même tu entres en scène. Et nous parle. Car c'est toi qui connais nos manquements et nos désirs ainsi que nos faiblesses. Parle-nous, corrige-nous, exhorte-nous et encourage-nous, Seigneur. Donne-nous encore de la force pour continuer le voyage. Bénis ta parole qui vient d'être lue. Envoie-nous le Saint-Esprit pour donner la vie à ces écritures. On a copé sa bon moi na ma komimaye. Et que tous ensemble et te bispanso elongo nous puissions en sortir de ce lieu. Toko kana kobimaka na isika yeye. Nous dire comme les disciples sur le chemin de Maus. Et certainement le Seigneur a été au milieu de nous. Et c'est lui-même qui nous a parlé. Nous nous recommandons à toi. Et à la parole de ta grâce. C'est au nom précieux de ton Fils bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Beaucoup qui confondent. Oui, nous continuons notre thème sur Maranatha. Tojali kokoba na mama na likambo na biso Maranatha. Et nous avions expliquer ce que les mots signifient en hébreu. Et mbolaki oyo ezali koloba loba oyo Maranatha kati na monoko ya bayebele. C'est un mot composé. Et jali loba oyo ekutami na maloba mosusu kati na yango. De trois autres mots. Na maloba mosusu misato. Ma. Mar. Ana. Ana. Et puis ta. Beta. Mar qui signifie Seigneur. Ma oyo ezali koloba nkolo. Ana c'est notre. Ana ulingoloba yabiso. Eta qui veut dire viens. Ata ulingoloba yaka. Donc notre Seigneur vient. Ulingoloba nkolo nabiso yaka. C'est la parole qui vivrait dans l'âme et le cœur des croyants de l'Église primitive. Et jali loba oyo ezalaki kobika kati na molimo ya bandeko na lingomba na yambo. Qui vivait dans l'espérance du retour du Seigneur. Et cette parole était tellement vivante en eux. C'était leur mot de passe. Leur mot d'exhortation. Puisque pour un enfant de Dieu, la venue du Seigneur, ça vaut plus que tout ce qu'il peut avoir sur cette terre. C'est pour cette raison que ça servait pour l'exhortation. C'est qui était plongé dans les difficultés. C'est qui avait des problèmes. C'est qui avait des problèmes. Qui était criblé d'une manière ou d'une autre. Alors il leur suffisait qu'on leur dise Maranatha. Alors quand il entendait ces mots, alors c'était pour lui plus que la consolation. Et même les apôtres dans leurs enseignements et prédications, le retour du Seigneur était le thème principal. Et le thème le plus important.
C'est pourquoi nous pouvons nous poser la question. Si le retour du Seigneur était si important pour les croyants du premier âge, comment cela devrait-il être le cas pour nous autres qui sommes arrivés à la fin de la fin des temps? Cela doit nécessairement être la préoccupation de chacun de nous. De nous qui nous attendons au retour du Seigneur. Pour l'enlèvement. Alors ça doit être ceux qui sont nés de Dieu par la foi en son nom. Par la foi au nom de son fils Jésus-Christ. Car selon l'évangile de Jean, il était dans le monde. Le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Mais à celui qui l'a reçu. Qui a crié en son nom, alors Dieu lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il mène une vie normale comme tout autre homme. Ils peuvent se marier comme tout homme. Ils peuvent étudier comme tout homme. Ils peuvent travailler. Mais dans leur vie, ils prennent plus au sérieux leur préparation. C'est reconnaissant comme étant participant de l'héritage qui a été promis. Dans Colossiens chapitre 1er, et à partir du verset 12, nous lisons ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ceux dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Donc nous devons rendre grâce à Dieu le Père. Car il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de ceux dans la lumière. Nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Et en ce fils, nous avons la rédemption et le pardon de tous nos péchés. Et en Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et cela a fait que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis.
L'Esprit a été promis. Et limo et la kamamaki. Et il faut que les enfants de la promesse et sengelete bana na ilaka yango reçoivent la parole de la promesse. Oh bajali ko yamba lilo bana ilaka. Et ce sont eux qui sont scellés par l'Esprit promis. Et jali bangonde batami elembo ya molimo ilaka maki. Il dit, frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme. N'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une une seule personne. Et à ta descendance. C'est-à-dire à Christ. Et ceux qui sont. Ce sont ceux que Christ a rachetés. En qui la bénédiction d'Abraham a eu lieu. A eu son accomplissement en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui, lors de la venue de l'époux, seront épouses et paroles. Vierge pure. Qui sera présenté à l'époux sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le Seigneur était venu pour la première venue pour sauver les pécheurs. Mais cette fois, il vient chercher une vierge pure qui est sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Au verset 30, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc le mariage tel que nous l'avons ici sur la terre, c'est un type de Christ avec son Église. C'est pour cette raison, le mari qui représente Christ, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Si un homme n'arrive pas à aimer sa femme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa foi. Puisque le mariage naturel, c'est un type de Christ avec son Église. Et dans tous les conseils que nous pouvons avoir sur les mariés, au verset 33, nous avons le résumé. Il dit, tu restes que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc c'est ça le résumé de tous les conseils qu'on peut donner aux mariés. Que le mari
aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Si vous commencez à sentir que vous n'aimez pas votre femme comme vous-même, c'est un faux esprit en vous. Puisque si c'est l'esprit de Christ, il vous fera aimer votre femme comme vous-même. C'est pour cette raison, Paul craignait qu'il n'arrive à l'épouse ce qui était arrivé à Ève. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, et disent qu'ils sont déjà enlevés, et le Seigneur est déjà revenu. C'est pour cette raison Paul dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc il s'agit tout simplement de la séduction et leurs pensées se corrompent étant séduits pour suivre des fables au lieu de se tenir à la parole. Et c'est pour cette raison, les autres se limitent à ce que signifie le fruit. Ils pensent qu'il s'agissait d'un fruit naturel. Mais selon l'interprétation de la parole de Dieu, parler de fruit, il s'agit des actions, des œuvres que les gens peuvent commettre. C'est pour cette raison, Matthieu, lorsque il voyait les pharisiens venir se faire baptiser, c'était Jean-Baptiste en Matthieu, quand il voyait les gens venir se faire baptiser, il a dit, race de vipères, vous devez produire les fruits dignes de la repentance. Donc, les fruits de la repentance, il ne s'agit pas des fruits naturels, mais il s'agit des fruits des œuvres et des actes que peuvent commettre les gens. Et les fruits qu'avait mangé Ève, il s'agit de l'acte qu'ils avaient posé. Et cet acte concernait la séduction. Elle a été séduite. Et elle a été entraînée par le serpent pour commettre l'acte qui est l'adultère. C'est pour cette raison, Matthieu 3, verset 7. Et dans le Latino, on a mata yamisato, zelakotanga sambo. Jean-Baptiste voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de repentance. Donc il s'agit de fruits, des actes que les gens peuvent poser après avoir reçu leur conversion. Donc le fruit ne désigne pas seulement le fruit que nous pouvons cueillir de l'arbre, mais dans le langage spirituel, le fruit désigne les actes, les actions que posent les gens. Et même manger les fruits, dans le langage spirituel, ça aussi une signification. C'est pour cette raison dans Proverbe chapitre 30 et au verset 20, on nous
explicite là la pensée qu'il y a dans le l'acte de manger. Il dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et se suit la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Voyez que manger signifie spirituellement aussi commettre adultère. Donc la femme adultère peut manger et essuyer sa bouche et dire qu'elle n'a point commis de mal. Donc c'était commettre adultère. L'acte qu'avait commis Ève et le serpent au jardin d'Éden. Mais pour les élus, il n'est pas possible qu'il soit séduit, car le Seigneur lui-même a déclaré en Matthieu 24:24. Donc la puissance de la séduction serait vraiment grande au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais il n'est pas possible que les élus soient séduits. Et cela à cause de l'élection. Puisque ici, en Romains chapitre 8, ce que Dieu a déjà élu, il les avait prédestinés. Il les avait glorifiés. Tout était fini dans le passé. C'est pour cette raison aucun de lui ne sera séduit. Si quelqu'un peut se laisser séduire, on peut avoir raison de douter qu'il soit un élu. Au verset 28 de Romains 8, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils et l'a offert pour nous, alors comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Puisque un fils, c'est le don le plus précieux qu'un homme peut recevoir. Un homme peut même vendre tout ce qu'il a pourvu qu'il puisse racheter son fils. À cause de son fils, il peut vendre tout ce qu'il a. C'est pour cette raison, Dieu a manifesté son grand amour pour nous en livrant son propre fils à cause de nous. Alors si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous, quelle autre chose pensez-vous que Dieu peut nous refuser? En son fils, nous possédons toutes choses.
Et les élus ne seront jamais perdus. Il les a prédestinés. Tout était déjà accompli dans le passé. Les élus reçoivent la plénitude de l'esprit, laquelle se manifeste en eux par l'amour parfait. L'amour envers Dieu et l'amour envers les frères. C'est pour cette raison qu'il est dit que l'amour est le lieu de la perfection. Et les élus, ce sont ceux qui vont arriver à la perfection. Puisque ce sont ceux qui sont arrivés à la perfection qui vont aller dans l'enlèvement. Et ils reçoivent la plénitude de l'esprit. Laquelle se manifeste en eux par l'amour parfait. L'amour envers Dieu et l'amour envers le frère. C'est pour cette raison le Seigneur a dit: je vous donne un commandement nouveau. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et toujours en Jean chapitre 15, si nous commençons au verset 9, il dit: comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et l'accent repose sur l'obéissance en sa parole. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Condition même pour le baptême du Saint-Esprit. Car Paul, lors de son discours, et Pierre, lors de son discours, en Actes 5:32, il dit le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Donc l'obéissance envers Dieu dans ses commandements, c'est la chose qui peut maintenant amener que le Seigneur puisse vous baptiser du Saint-Esprit. C'est pourquoi ici en Jean 14, au verset 15, il dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quelle serait la conséquence? Au verset 23, Jésus lui répondit:
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, par l'amour envers Dieu, l'obéissance aux ses commandements fait que le Père et le Fils viennent habiter en nous. Et si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous. C'est ainsi que dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, et à partir du verset 7. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime un de Dieu et connaît Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Amen. Quand nous nous aimons les uns les autres, c'est ce qui montre que Dieu demeure en nous. C'est pourquoi le prophète et messager disait à son assemblée, même si je ne peux pas voir une seule manifestation de l'Esprit parmi vous, parler en langue, les prophéties, ou les guérisons, mais j'aimerais voir régner l'amour. Quand l'amour est en nous et que nous nous aimions réellement les uns les autres, c'est la preuve que Dieu est en nous. Car Dieu est amour et ceux qui sont nés de lui sont reconnus par le fait qu'ils ne peuvent qu'aimer. Car on ne peut recueillir l'amour et la haine en même temps. Il y a une source de la haine et une source de l'amour. Ou bien vous recueillez de l'amour de la source d'amour, ou la haine de la source de la haine. Il y a deux esprits à l'œuvre. L'un ne peut pas haïr et l'autre ne peut pas aimer. Alors si vous tirez de la source de l'amour, en vous, il ne peut y avoir que de l'amour. Et on ne peut pas avoir l'amour et la haine en même temps. C'est pour cette raison, les enfants de Dieu sont reconnus par le fait qu'ils ne peuvent qu'aimer. Car d'une même source, on ne peut recueillir à la fois l'eau douce et l'eau amère. Comme le conseille Jacques dans son livre,
Jacques chapitre 3, Yakobo mokapona misato, versets 11 à 12. Jacques déclare ceci. Yakobo azali koloba oyo boye. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Metima, ekoki kobimisa na nzela yango moko moko mai ya kitoko mpe mai na bololo. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Mouti moko bandeko na ngai, ekoki kobota ba olive? Ou une vigne de figues? Tombe vigne moko ya ba figue. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Mai na mungwa o ekoki soki mokete kobota mai o ya elenge. Donc il n'y a que deux sources. Ezwami bobele bitima mibale. Une source qui produit l'amour. Etima moko ezali kobota bolingo. Et une source qui produit la haine. Etima mususu ezali kobota koinana. Vous ne pouvez pas recueillir la haine à la source de l'amour. Okoki kobuka te bolingo na etima o ya koina. Ni l'amour de la source de la haine. Ope bolingo na etima o ya koina. Dieu est amour. Jambe azali bolingo. Et ceux qui sont nés de Dieu beba eba botami na Nzambe ne font que aimer. Bango bakolinga kaka. Ils ne peuvent pas haïr. Bakoki ko ina soki mokete. C'est pour cette raison. Ezali na ntino oyo wana. Le commandement de l'amour. Lilakoyo ya bolingo. Le frère Branham appelait ce commandement le 11e commandement. Ndeko Branham azalaki kobenga yango lilakiyo ya zomi na moko. Car Dieu avait donné à Moïse 10 commandements. Jambi ndamba pesake pa na Mose makabo zo malako zomi. Les 10 commandements qu'il avait écrits avec son propre doigt. Malakozomi oya komaki na mosapina ye moko. Sur les tables qu'il avait remis à Moïse. Na bitando oya pesake pa na Mose. Et maintenant avec le temps de la grâce. Et ça sai pi erongo na ntango ya ngolu. Tous ces commandements. Ba malakonyoso oyo wana. Sont résumés en une seule parole. Yango ekutami na loba moko kaka. Et vous aimerez votre prochain comme vous-même. Donc c'est le 11e commandement qui englobe tous les autres commandements. C'est ainsi que le frère Branham l'appelait 11e commandement. En Romains chapitre 13, versets 8 à 10. La parole déclare ceci. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La parole ne nous permet pas de devoir quoi que ce soit à une personne. Garder rancune contre une personne. Pardon. Garder rancune contre une personne. Parler du mal contre une personne. La parole ne nous permet pas cela. Vous ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Lilako. Tu ne commettras point d'adultère. Oko sala te ekobo. Tu ne tueras point. Yoko bomate. Tu ne déroberas point. Yoko ibate. Tu ne convoiteras point. Oko lula te. Et ce qui peut encore y avoir. Pe o eko kili susu kozala. Se résume dans cette seule parole. Yango ekutu la meina iloba moko oyo. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yoko linga mozala ina yo lokola yo moko. L'amour ne fait point de mal au prochain. Bolingo esala kamabe na moninga te. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bolingo ezali nde bokokisami ya mobeko. Amen. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. Bolingo ezali bokokisami ya mobeko. Pour vivre toute la loi. Bona kobika mibeko nyonso. Il y a tout simplement un commandement que vous devez appliquer. Les oami bobele ni la komoko yo sengeli kosalela. De vous aimer les uns les autres. Ya kolingana ba moko mpe basusu. Et quand vous vous aimez les uns et les autres, e wane zali bino kolingana ba moko mpe basusu, vous accomplissez la loi. Yo zali kokokisa bongo mobeko. Dans Galates chapitre 5. Na ba Galata mukapona mitano. Verset 14. Zilakotanga zomi na mine. Nous trouvons le même témoignage. Toko zwalita tole yango moko moko. Car
toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tout ce que nous avons comme commandement s'accomplit dans cette seule parole. C'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Quand nous aimons notre prochain, alors nous avons accompli la loi. Puisque celui que vous aimez, vous n'allez pas voler ce qui lui appartient. Vous n'allez pas convoiter sa femme. Vous n'allez pas abuser de ce qui lui appartient. Parce que vous l'aimez. Et à cause de l'amour que vous avez pour lui, vous accomplissez la loi. Et rien ne peut vous nuire. C'est ainsi que le Seigneur aussi dans Matthieu 22, quand on lui posa la question au sujet du plus grand commandement, Matthieu chapitre 22, verset 34, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est pourquoi quand nous venons écouter la parole, nous sommes comme devant un miroir. Et chacun se regarde comment il est. Alors par rapport à la vie chrétienne de chacun, chacun doit s'examiner et s'éprouver pour savoir comment est son amour envers son Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. En marque, ça ajoute même de toute notre force. C'est ça le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de vous dire si vous aimez ou vous n'aimez pas. Nous-mêmes, nous sommes devant le miroir de la parole. Et chacun s'examine et s'éprouve lui-même. Comment et son amour envers son Dieu. L'aime-t-il de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute votre force, et maintenant devant vos semblables? Aimez-vous votre prochain comme vous-même? Alors, de ces deux lois dépendent tous les commandements de la loi. C'est ce que Paul, en écrivant aux Galates, a dit. Cette seule parole, cette seule parole est l'accomplissement de la loi.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yoko linga mozana na yo lokola yo moko. C'est pourquoi celui qui dit qu'il aime Dieu et ne garde pas ses commandements, la Bible dit que c'était menteur. Si quelqu'un aime réellement Dieu, alors cela va se traduire par l'obéissance en ses commandements. Dans l'épître de Jean, qui était l'apôtre de l'amour. Donc, tous les conseils sur l'amour, vous les trouverez surtout dans l'épître de Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 3, il dit, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Donc chacun doit s'examiner de savoir s'il est menteur. La Bible dit que si longtemps que nous ne gardons pas ses commandements et déclarons simplement verbalement que nous l'avons connu, alors la Bible dit que nous sommes menteurs. Et la vérité n'est point en nous. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Et celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Amen. Amen. Et qui est son frère est un meurtrier. Celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Toujours 1 Jean chapitre 3, et à partir du verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc chacun de nous, on se regarda dans le miroir de la parole. Il peut savoir aujourd'hui, ce soir même, s'il est dans la vie ou bien dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Amen. Donc, quand nous aimons les frères, en examinant votre cœur, vous voyez que vous aimez réellement les frères. Alors, si nous aimons les frères, cela montre que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais quiconque est son frère, c'est un meurtrier, c'est un tueur. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Examinons-nous et éprouvons-nous si réellement nous sommes dans la foi. Est-ce qu'il y a-t-il une racine d'amertume, de haine contre le frère? Est-ce que
Où réellement nous aimons les frères comme nous-mêmes. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mais lorsque nous aimons les frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Amen. Et toujours Jean. Et tant qu'à Yohane, il dit, mais n'aimons pas en parole seulement. Alors bien, c'est tout l'ingaka na marubaka kate. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Yohane, Mimoko, Mokabramisa, Tosina, Otanga, Zomi, Namotoba. Nous avons la, connu l'amour. Disso, Toeba, Kibolingo. On sait qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La difficulté, on est que beaucoup de gens ne comprennent pas qui est le corps du Seigneur aujourd'hui. Dieu a habité la colonne de feu. Dieu au-dessus de nous. Et quand Dieu a voulu maintenant être avec les hommes, il devait Emmanuel. Il a porté le corps d'un homme pour mourir à la croix, afin de nous sauver. C'était le corps de Dieu. C'est le corps de Jésus. C'était le corps avec lequel Dieu venait habiter avec nous. Et quand il a terminé maintenant, il a accompli l'œuvre de la rédemption. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Tout ce qui était Dieu a été déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui était Jésus a été déversé dans l'église. Donc le corps de Dieu aujourd'hui, son corps de chair aujourd'hui, c'est l'église. Alors, l'église, c'est l'ensemble des membres qui composent l'église. C'est pour cette raison, quelqu'un ne peut pas dire il aime Dieu, il n'est pas aimé son frère, puisque tout croyant est membre dans le corps du Seigneur. Tu ne peux pas dire je t'aime et me demander encore donner ton doigt pour que je puisse le couper. Ce n'est pas possible. Puisque couper ses doigts, c'est causer du tort à moi-même. Et quand vous aimez les frères, cela prouve que vous aimez Dieu. Si quelqu'un possède les biens du monde et voyait son frère dans les besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ses dix enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen.
Si nous gardons ses commandements, nous lui serons agréables. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Ce n'est que dans l'amour qu'on peut exercer une religion pure et sans tâche. Et suivons ce que Jacques nous recommande ici. Il dit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de souillir du monde. Amen. Amen. Donc la religion pure et sans tâche, c'est, ça consiste à compatir aux misères des autres. C'est ce que Jacques veut nous exhorter ici. Nous ne pouvons pas être indifférents si nous voyons notre frère dans la misère. Et dans Jacques 2, 14, il nous interpelle par quelques questions. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres de cette foi? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour, et que les d'entre vous leur disent, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Amen. Mais quelqu'un dira, mais toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Qui croit qu'il y a un seul Dieu? Qui fait bien? Les démons le croient aussi. Et ils tremblent même. Veux-tu savoir, homme vert, que la foi sans les œuvres est inutile? Et il va maintenant nous montrer, nous confirmer par l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue capable, fut rendu parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fit appeler ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Sachez donc
Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. La foi est morte si elle n'a pas des œuvres. Ce qui est le désir de notre Dieu, c'est de voir son peuple loin de son esprit et qu'il puisse aller les uns vers les autres dans les épreuves et les difficultés pour apporter l'œuvre de compassion de Dieu et pour y parvenir il faut l'obéissance en la vérité. Pierre dit, nous devons obéir à la vérité. C'est ce qui va nous amener à voir un amour fraternel véritable. Un Pierre chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc pour avoir cet amour fraternel sincère et véritable, ce n'est que par l'obéissance en la vérité. Et par l'obéissance en la vérité, cela purifie nos âmes et nos esprits de mauvaises pensées. Et cela nous donne un amour fraternel véritable. Ainsi, ce que l'Église a besoin aujourd'hui, ce sont les prédications qu'il faut sortir d'elle, toutes sortes de mondanités. Et toutes les choses du monde, et ramener la purité et la sainteté dans le cœur des croyants. Et quand le cœur sera purifié, c'est à ce moment que nous pouvons avoir l'amour fraternel véritable. De cœur des croyants, tout ce qui rend impur, comme l'avait montré le Seigneur ici en Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, verset 10. Et appelé à lui la foule, le Seigneur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est cela qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il y a des gens qui se scandalisent quand ils entendent la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous scandaliser. Un enfant de Dieu dit oui et amen à toute parole de Dieu. Il ne se scandalise pas. L'esprit qui se scandalise de la parole de Dieu, c'est l'esprit des pharisiens et des sadducéens. Et le Seigneur répondit aux disciples, mais toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Si il est là comme une plante qui n'a pas planté le Père céleste, va être déraciné. Laissez-le. Laissez-le.
Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parole. Que ceux qui entrent dans la bouche ne suivent pas l'homme. C'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. C'est très compliqué cette parole. Nous ne sommes pas scandalisés, mais expliquez-le-nous. Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans les ventes, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les pensées de meurtre. Les pensées d'adultère. Les pensées de débauche. Les pensées de vol. Les faux témoignages. Les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Amen. Alors il faut que la prédication puisse ôter des cœurs des croyants les choses qui les rendent impurs. C'est pourquoi lorsque Dieu se saisit d'un homme pour le convertir à lui, la première chose que Dieu fait, c'est de faire passer cet homme de l'idolâtrie à l'adoration du vrai Dieu. Et de la mondanité à la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Verset 9 à 10. Car on raconte notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous? Comment vous vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre de sier son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, lorsqu'il se saisit de quelqu'un, il le fait passer de l'idolâtrie à l'adoration du véritable Dieu. Si quelqu'un continue à adorer les idoles, c'est que Dieu ne s'est pas encore saisi de lui. Quand Dieu se saisira de lui, il va se convertir au véritable Dieu et va abandonner les idoles. Et en 1 Thessaloniciens 4, ici nous voulons voir ce que Dieu veut. Et c'est le but de chaque enseignement et chaque prédication. C'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre de façon à plaire à notre Dieu. Aux restes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, le but de chaque enseignement et de chaque prédication, c'est de nous apprendre comment nous devons nous conduire
pour plaire à notre Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Alors nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et cette sanctification signifie quoi? L'esprit ne veut pas laisser notre esprit en suspense. Et nous montre ce que veut dire cette sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Cette sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée. Une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et personne n'ise envers son frère de fraude. Et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est notre sanctification. C'est pourquoi il est dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et ce qui est la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est notre sanctification. Et cette sanctification, c'est que nous nous abstenions de la débauche. Amen. Amen. Ce n'est pas que Dieu vienne vous empêcher, mais vous-même vous vous absteniez de la débauche. Il y a de ceux qui se laissent dans la faiblesse. Oh, j'attends que le Seigneur lui-même vienne me tirer de cette faiblesse. Et il vit dans la débauche et il appelle cela sa faiblesse. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Et pas nous laisser dans la faiblesse. Ah, car la récompense de paresseux est soulignée ici dans la parole. En Apocalypse chapitre 21 et au verset 8, il est dit que pour les lâches, vous ne pouvez pas être lâche au point que vous puissiez vous laisser toujours dans cette faiblesse de l'adultère et vous plaire en cela. Alors que la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abteniez de la débauche. Amen. Amen. Alors de cette façon, nous passons de la mort à la vie. La personne devient une nouvelle créature en Christ, étant née de nouveau avec des idées nouvelles. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19,
17 à 19. Il est dit que celui qui est en Christ, et Christ, il est une nouvelle créature. Et voici, toute chose est passée. Et toute chose est devenue nouvelle. La personne devient une nouvelle créature. Est née de nouveau. Avec des idées nouvelles. En tant qu'il met, il nous est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais l'amour de Dieu est si grand. Car lui pouvait aimer même ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. C'est pourquoi Jésus n'était que l'amour de Dieu manifesté. Même à l'heure de son sacrifice suprême, il pouvait être fouetté. On crachait sur son visage. On le giflait. Voir jusqu'à les déshabiller et les poser nus. Et puis les crucifier. Mais à la fin, il pouvait dire, Père, pardonne-leur car ils ne savaient pas ce qu'ils font. C'est pourquoi chacun doit se regarder dans le miroir de la parole. Comme cela nous est conseillé dans Jacques, pour savoir s'il est dans la foi, s'il a réellement l'amour de Dieu en lui, et si Jésus-Christ est réellement en lui. Il s'agit de ce que le Seigneur a racheté. Par son sang, racheté à un grand prix. C'est pour cette raison, étant racheté à un grand prix, nous ne devons plus devenir esclaves de quoi que ce soit. Esclaves de quelconque péché qui doit toujours dominer sur nous. Bon, le Seigneur nous a racheté à un grand prix. Aucune des choses ne doit encore nous faire des esclaves. Et ceux qui ont réellement été rachetés ont reçu l'esprit d'adoption. Cet esprit qui crie à bas père, l'esprit de son fils, que Dieu envoie en chacun de ceux qui sont rachetés. Comme nous pouvons lire ici en Galates chapitre 4. Et si lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, et afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel esprit crie Abba Père. Amen. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes libres. Nous sommes rachetés. Nous ne pouvons plus devenir esclaves de quoi que ce soit. Mais si il a donc reçu l'adoption et devenu enfant de Dieu, alors ce n'est plus un esprit de servitude pour être encore dans la crainte de quoi que ce soit. Dans la crainte du péché, crainte d'être perdu, crainte de blasphémer, crainte d'aller à l'enfer, crainte de mourir. Non, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Nous avons été rachetés. Nous sommes libres. Et nous ne pouvons pas être asservis par quoi que ce soit. Amen. Amen.
Et c'est pour cette raison que nous acceptons volontairement même de souffrir pour notre Seigneur. Comme c'est écrit ici en Romains 8, et à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit et nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Nous sommes appelés, pas seulement pour nous réjouir, mais aussi pour souffrir avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Et en verset 18, il nous a exhorté ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Nous acceptons de souffrir avec Christ quelques afflictions du moment, mais cela n'est pas comparé avec la gloire qui nous attend. Amen. Ici on est Timothée, chapitre 6. Paul exhorte en ce sens. Au verset 17, il dit à Timothée, comme tu es là, resté comme berger, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Tout ce que nous pouvons gagner sur cette terre, ce sont des richesses incertaines. Mais de mettre notre espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses. Pour que nous en jouissions, recommande-les de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Donc nous luttons pour saisir la vie véritable. La vie que nous avons ici, sur cette terre, n'est qu'un négatif de la véritable vie. Les gens qui font le service de photographie, ils peuvent bien comprendre et bien saisir cette pensée. Lorsqu'ils saisissent l'image, lorsque cette image n'est pas encore développée, l'image est toujours un peu floue. Vous voyez que c'est la personne, mais là il apparaît comme un singe. Parce que l'image n'est pas encore développée. Et lorsque l'image sera développée, c'est assez
ce moment que vous allez avoir la véritable photo. Et c'est la même chose avec la vie que nous avons ici sur la terre. C'est le négatif de la véritable vie que nous devons saisir. Amen. Que chacun de nous puisse maintenant saisir la vie véritable qui est le développement de du négatif que nous portons ici sur la terre. Et c'est comme l'homme de Dieu avait comparé cela. Supposons que vous avez été peut-être un cafard ou une souris. Donc, pourquoi? Et puis vous êtes développé jusqu'à devenir un humain. Et on vous demande de rentrer encore à être un cafard ou bien une souris. Personne ne le voudra. Et c'est la même chose. Quand vous multipliez cela avec des millions de fois, alors vous allez comprendre ce que nous deviendrons. Amen. Amen. C'est pour cette raison, pour rien au monde, des choses qui sont dans le monde, alors ne vous permettez pas de lâcher cela. Et Paul exhorte ici, faites tout pour saisir la vie véritable. Cette vie que nous avons ici sur la terre n'est que négatif de la véritable vie qui nous attend. Amen. Amen. Et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour est décrit de manière plus détaillée. Et dans les versets 4 à 8, on décrit les vertus qui accompagnent l'amour, les attributs ou vertus qui se rapportent à la vie de chaque croyant. 1 Corinthiens chapitre 13, et nous allons lire à partir du 4e verset. L'amour est patient. Ça, c'est la première vertu de l'amour. C'est la patience. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne souffre point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais se réjouit toujours de la vérité. Il esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Donc vous voyez, ces caractéristiques de l'amour, ce sont les vertus qui portent chacun des élus tous les jours de sa vie. C'est alors que s'accomplit en eux ce qui est dit en Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en nous, alors par conséquent, l'ennemi ne peut trouver quoi que ce soit à redire sur nous pour nous accuser. C'est de cette façon que l'achèvement des rachetés se produira.
dans l'amour de Dieu, par une puissante action de l'Esprit, qui serait comme au commencement. Ce serait pour tous ceux qui auront aimé son avènement, qui sont dans l'attente et qui sont toujours prêts. Et très près, c'est vivre chaque jour comme si ça ne va pas passer que le Seigneur ne vienne. Et ces gens sont toujours prêts, et dans leur expérience, ils s'écrient, Maranatha, Maranatha, Seigneur viens. Kolo Yaka. Amen. Amen. C'est ainsi que nous terminons par cette lecture d'Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Oui, je viens bientôt. Et à l'épouse de répondre, viens Seigneur Jésus. Maranatha. Maranatha. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lève-nous. Oyo bolingo, bolingo ndaye, yangwezali, bikamwa, bolingo ndaye, dekwezali, bikamwa, bolingo nankolo, yezali, de bikamwa. Ezali boni eleki nola omoni moto abomake bosi domingi solo moto aketa te bonene mingi deko heko sila te toko bondela moko na moko na biso. Nous allons prier chacun de nous. Que nous te respections, que quand tu parle pas de Dieu.
Deko mobali ndeko mwasi. Mon frère, ma soeur. Dokolantoma Petero Azraki Koloba. Comme l'apôtre Pierre disait. C'est pourquoi, chers amis. Pour yango baling bandeko. Chers amis. Baninga. Balingam. En attendant ces choses. Na kozelaka biloko biye. Employez-vous ou employons-nous. Tomi pesa, tompe bomi pesa. À être trouvé par lui sans tache et sans défaut. Yako kutama epai na ye na kozanga litono pe kozanga li baby. Dans la paix. Kati na kondima yango. C'est-à-dire en attendant ces choses. Ngiko lobana kozelaka biloko biye. Nous sommes dans l'attente. Jali kati na bozeli. Du retour du Seigneur. Bozongi yankolo. Ceux qui l'attendent baibako jelaye pour leur salut. Ona rubiko na bango. Pour leur délivrance. Ona kosiko na bango. Pour leur rachat. Ona kosiko kosiko na bango. La rédemption de leur corps. Siko ya banzoto na bango. La transmutation de leur corps. Bongolama ya banzoto na bango. Nous qui sommes dans l'attente. Biso ba etokuta mikati na bozeli. Sengeli tokuta manaye sans tache et sans défaut. Devons être trouvés par lui sans tache et sans défaut. Tokuta manaye tango kozonga. Quand il reviendra. Sans tache et sans défaut. Sans tache, sans défaut. Dans la paix. Na kimia yango. Dans la paix. Kati na kimia yango. Vous voyez la personne qui attend le train. Il attend le bateau. L'avion. Il attend l'avion. Il n'est jamais été distrait. Cette dame qui attend l'époux pour le mariage. La jeune fille. La jeune fille qui attend l'époux. Qui attend l'époux. Azali kozela mobali alibala. Azaka distraite était. Il n'est jamais été distraite. Donc, Zambia Sunga, Mokuna Mokuna Biso. Que Dieu aide chacun de nous. Distraction. Qu'il n'y ait pas de la distraction. Prions. Tobondela. Kolo Longola distraction. Seigneur, ôte la distraction.
Nous pouvons nous asseoir. Tekankumbo yankulu nabiso Yesu Kristo ekumisama. Laisse que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nzambe apambola musali waye. Et Dieu bénisse son serviteur. Nous nous rappelons ainsi par respect. Si nous disons, mettons-nous debout, nous devons nous lever. C'est bien. Ne soyons pas des fainéants. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, nous sommes assis. Bien, c'est bien, nous sommes assis et nous suivons. Des fois, les dos font mal. Mais maintenant, si on dit lèvons-nous, levez-vous. Pour prier. Ou bien s'agenouiller et prier. C'est bien. Demain encore, nous continuerons à l'écoute de la parole de Dieu. Mais n'oublions pas que le dimanche, il y a un mariage. Ainsi, faisons comme nous l'avons toujours fait. Kalele. Nous avons reçu les salutations venant de nos frères à travers notre frère Kalele. Deko Emmanuel Ngolela. Le frère Emmanuel Ngolela. Il y a Loufou Frontière. Les Loufou Frontière. Deko Mobali Kilou, c'est...